Salut les yokai et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu blabla, donc une vidéo qui va être assez courte parce que j'ai pas préparé de vidéo. Voilà, j'ai eu beaucoup de mangas en lecture, j'ai commencé pas mal de collections et progressivement je les complète. Du coup j'ai pas eu trop le temps de réfléchir à un prochain sujet, sachant que la vidéo 50, j'allais dire 59 mais je ne suis pas encore, va sortir. Et j'hésite encore à vous faire un spécial Halloween ou vous faire un spécial vraiment quelque chose qui me plaît. Donc ça serait peut-être les Ghibli ou ça serait même les animes qui m'ont le plus marqué, sachant que j'en ai déjà sorti pas mal et dans le tas il y en a qui sont vraiment... Enfin non, j'ai parlé un peu plus en vidéo. Donc voilà, je continue toujours à lire les nombreux mangas que vous m'envoyez, certains par message privé et d'autres où vous me dites hey, il faudrait que tu lises ce manga ou tu regardes tel anime. Oui, il faudrait, mais entre-temps j'ai un boulot, j'ai pas mal de choses et du coup, j'ai pas réellement beaucoup de temps. Voilà, je veux bien vous l'avouer, honnêtement, j'ai un travail très très prenant, sachant que là j'ai qu'une semaine de vacances et je vais plus en profiter pour avoir mon code et aller en salle de sport que réellement passer toutes mes journées devant l'ordi. Bien que j'adore, comment dire, passer 1 à 2 heures jouer au jeu Conan Exiles, voilà, qui est un jeu qui me plaît vraiment beaucoup, un peu plus que The Forest, je dois l'avouer. Et donc je prends plaisir à démolir des animaux super chelous et à essayer de comprendre la complexité de certaines choses qui parfois me font dire que le code à côté c'est du pipi de chat. Voilà, sachant que je n'ai toujours pas mon code donc c'est un problématique. Donc ne vous inquiétez pas, les prochaines vidéos Minute Manga vont revenir parce que j'ai d'autres sujets qui me viennent en tête. Mais c'est vrai que pour la 49, j'avais pas du tout d'idée, pas du tout d'idée, voilà, c'est ça, j'avais pas parlé. Parce que si je reprends ma liste de thèmes à faire, parce que oui, j'ai fait des thèmes, parce qu'au bout d'un moment, je ne savais plus trop quoi parler. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire des thèmes de. Ça va aller de 1 à 50. Et voilà, et pour la 49, il y avait marqué opening et musique, un top, mais je l'ai déjà fait dans la vidéo 48. Donc, du coup, je me suis retrouvée en train de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Sachant que la 50, c'était pour un top 10 des films Ghibli. Et la 51, c'était spécial légende qu'on se raconte pour se faire peur, les tests de courage, Halloween et compagnie. Donc, du coup, j'avais pas d'idée pour la 49. Et je me suis dit, autant dès le départ, j'ai été honnête avec vous, autant le rester. Donc, je me suis dit, pour la 49, j'ai un peu expliqué le pourquoi et du comment, il n'y a pas de vidéo. Et je suis sûre que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes encore étudiants. Donc, qui dit vacances d'Halloween, pour certains, c'est vacances, et pour d'autres, c'est le moment où ils préparent les TE, les tests, où ils révisent à fond pour avoir leur diplôme. Je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Donc voilà, une petite vidéo blabla, ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Je suis en train de réunir plusieurs thèmes ensemble, à savoir les mangas qui se passent uniquement à l'école, des histoires d'amour, les shonen fantastiques, voilà, réunir un petit peu. Alors, je sais qu'il y a plein de chaînes qui le font, mais je suis en train de réunir vraiment tous les mangas que vous m'avez envoyés. Je suis en train de les relire, pour certains les re-relire parce que je les ai déjà lus plusieurs fois et j'en ai plusieurs fois parlé. Et je suis en train de les classer dans différentes catégories. Aussi, pour vous parler dans cette petite vidéo, s'il y en a qui sont très à l'aise sur le jeu Conan Exile, honnêtement, venez me rejoindre. C'est pas que je galère, mais j'adore ce jeu. Et franchement, je pense que. Alors, j'étais déjà en coop avec mes collègues, mais ils ont un petit peu lâché l'affaire pour jouer un à Assassin's, donc Assassin's Creed Odyssey, et l'autre pour jouer à d'autres jeux un peu plus techniques et moins chiant. Parce qu'une ou deux fois où vous mourrez dans ce jeu, Conan Exile, normalement vous allez râler, dire tiens je meurs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bah ouais, mais si tu te stuffes pas assez, c'est sûr que tu vas mourir. J'ai trouvé d'autres joueurs français en discutant avec eux, ils sont très sympas. Donc voilà, en ce moment je suis plus avec des mecs qu'avec des filles, mais franchement c'est très prenant. Il y a aussi pour ceux qui ne savent pas, sur DeviantArt, donc j'ai un compte DeviantArt, je crée en ce moment, enfin depuis. Ouais, cet été, le comic Undertale Echo Fail que je vais fignoler, puisque là on en est à la deuxième partie, ce qu'on peut appeler l'équivalent de la suite de la saison 1. Et je suis en train de le finir parce que ça a pris beaucoup de retard et j'en voyais plus le bout, j'avais un petit peu laissé tomber. En ce moment, je suis dans une bonne période où j'ai envie de.
de comment dire, de continuer pas mal de choses que j'ai mis en stand-by et je me dis bah il faut que je les continue parce que j'ai commencé, ça plaît, pourquoi ne pas la finir? Voilà. C'est un objectif premier que je me suis lancé cette année, en plus d'avoir mon code et mon permis AB, hein, faut que je l'aie. Parce que oui, j'ai recommencé à travailler pour la famille chez qui je travaillais déjà l'année dernière le matin. Et à des moments, bah, je me dis que la voiture, c'est peut-être pas si mal. Bah, déjà, j'aurai mon petit confort et en plus, ça sera je pense que ce sera un petit peu mieux pour les parents. Parce que faire tout à pied, c'est bien, mais c'est vite contraignant en fait. Quand t'es à pied, t'es contraignant par rapport aux horaires de bus et de tram. Et sachant qu'il n'y en a pas tout le temps des bus et des trams, c'est très galère. Une voiture, c'est l'idéal en fait. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo explicative vous aura plu. Donc c'est bien la 49 et on se retrouve très très vite pour la 50e. Qui va être sur les Glibis. Il va falloir que je me retape certains Glibis que je n'ai pas vus depuis Belle Lurette, du genre Princesse Mononoké ou Wai Shiro. J'ai dans DVD, il faut que j'ai juste le revoir. Et voilà. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire partager cette vidéo, mettre des pouces bleus, la faire connaître à vos amis. C'est pas de meilleure qualité, mais au moins je fais attention à vos commentaires. Sachez que je les lis. Je prends le temps de les lire, de bien les comprendre, de trouver une réponse qui puisse vous plaire et qui me plaise surtout à moi. Et voilà, bah, Twitter, Facebook, Instagram. Alors Instagram, vous verrez plus des vidéos sur mes dessins et sur mes animaux. Mais ça reste quand même un Instagram très sympa où je suis moi-même. J'ai pas besoin de me cacher derrière des vidéos, des trucs comme ça. Voilà, bah, passez une bonne soirée, une bonne fin de week-end pour ceux qui étaient en week-end. De bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et puis bon courage pour ceux qui vont travailler ou qui ont des TD ou des trucs comme ça. C'était Miss Olix. Bisous!